Formidable avec toi, Joël, c'est que t'hésites pas à mettre et défaire 50 fois pour qu'on puisse faire les essais de tous les métaux, de toutes les façons de poser les plaques Lefrec. Alors maintenant, ça fait 3 ans que tu les utilises? Plus Non, que pas ça? bien plus que ça, puisque Ouais, ça fait, ouais. attends, ça fait 7 ans que je suis parti aux States, Ouais. et je suis parti, je les avais Ouais. déjà, ça va faire 10 ans. Ouais, C'était d'accord. au tout début. Et donc, ça t'a pas lâché? Ah, depuis 10 ans, je joue jamais sans. Ah, je peux pas. Ouais. Ah, si jamais j'en perds une, je suis un peu dans l'embarras, quoi. Parce qu'aux States, on les trouve pas de partout, c'est à part sur Internet, il faut les commander, et ça prend un peu de temps. Mais ah, non, non, je suis un fan, et puis j'essaye de promouvoir les petites plaques Lefrec. C'est pas toujours facile parce qu'ils sont un peu, bon, comme ici, il y a des gens qui sont un peu récalcitrants. Il y a Steve Turay, le tromboniste de jazz, qui est très intéressé. Une pour le pavillon, pour la pomme d'accord, et une pour l'animer aussi sur l'embouchure à la coulisse. Et j'ai rencontré Aaron, ouais, endorsé, voilà, par la marque Lefrec. Et lui, il en a deux sur son euphonium aussi, des plus grands. Pas jouer. Et j'ai Chris Holka qui est le tuba solo de Minneapolis. Cincinnati, je me souviens. Non, Cincinnati, voilà. Quand il est venu jouer avec nous en Floride, il les a essayés et il était bluffé. Alors je sais pas si depuis il les a commandés sur Internet ou non, comme j'ai dit, les commander c'est un peu difficile parce que peut-être tu vas commander un truc et ça va pas t'aller. Ou tu vas pas aimer, comme nous là, ce matin Oui, avec bon, bien Jean-Claude, on sûr. a fait essayer hors pur, j'ai économisé des sous. Et ça m'allait pas du tout, ça marchait pas quoi. C'était vraiment, vraiment flagrant. Donc j'ai dit, fais attention, si tu les commandes, tu vas peut-être acheter un truc qui va pas t'aller du tout et que tu vas pas aimer. Donc le mieux, ça serait de pouvoir les essayer, de trouver un magasin qui les vende. Ok, bah merci beaucoup Joël. Ben avec Bah, très plaisir. content que tu sois heureux Et avec bien, ces plaques qu'on t'a fait découvrir il y a ah quelques années. oui, je m'en rappelle. Et Je me rappelle la première que j'ai essayée d'ailleurs, c'était à l'époque, c'était argent massif horrifié. Et ça marchait, Et ça t'en m'allait avais pas du parlé. tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est nul! Et après, j'avais essayé les jaunes, là, le cuivre basique, Ouais. tout simple, les moins Ouais, chers, les laitons, les laitons. Et là, j'avais dit, mais c'est quoi? Ça, c'est magique, par contre. Et depuis, donc là, j'ai quoi? Là, j'ai argent. Argent plaqué, non, laiton plaqué argent. Là, c'est que laiton. Et sur la coulisse, j'ai en dessous laiton et par-dessus laiton argenté. Ouais. Bah, je sais que tu n'arrêtes pas de chercher. Bah ouais, Et tu as raison, c'est parce que toujours c'est intéressant. quand on cherche qu'on trouve, Et la bien plupart du voilà, temps. exactement quoi. Et Mais non, ben, c'est très intéressant et je suis un vrai fan quoi. merci Depuis beaucoup, 10 ans. Joël. Et ben, bon vent et bonne continuation. Merci. Merci. On est content, très content de te voir quand tu repasses en France. Bah un petit peu de temps en temps, une fois par an. Merci. Non, mais...